bana poto bana partout partout bana monde entier balobi site ya munene Oh,
Merci beaucoup, Ben. Que la joie des grâces. Nous croyons ta présence éternelle. Elle te disons merci parce que tu es là. Oh, la nom du Père, que la joie des grâces. Amen. Lève ta main, bénis le Seigneur. Dis à Dieu merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce. Merci pour sa présence. Merci pour sa paix. Jésus, nous te rendons une action de grâce éternelle. Pour ce moment si précieux. Et tu nous as une fois de plus accordé. Tu es le roi de gloire, sans Père éternel. Si nous sommes là, c'est grâce à toi. Et nous croyons, Élohim, que tu ne nous abandonneras jamais selon ta parole, Élohim. Et tu es avec nous jusqu'à la fin du temps. Merci. Merci, car tu nous aimes. Merci, Élohim, pour ton amour. Merci, la gloire éternelle pour ta bonté. Tu es le roi. Sois béni, ô Dieu. Sois béni, tu es le rocher. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort celui qui est là? Je bénis le Seigneur. Amen. On a présenté notre maman Marie Rose qui a fait tant de moi au pays. Vous allez saluer maman Rose, on a quelqu'un qui m'a mobé, moi t'as mon mollet dans Boca. Qui est ensemble avec nous, maman, que le Seigneur bénisse. Amen. 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 Il y a celui qui est à côté de toi, que le Seigneur te bénisse. Nous et moi je vous bénis également, soyez bénis. Non, je dis soyez bénis. Je veux le dire pour ta présence. Pendant que le début s'élève avec un esprit dans nos familles. Et qu'à ce moment, nous avons quelques mauvaises nouvelles. Mais si Dieu nous fait grâce, ne fût-ce que le souffle ou la santé qu'il nous accorde, nous sommes dans l'obligation de l'adorer. Que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas par ta force. Il y a des gens qui voulaient aussi être comme toi. Ils en ont mis, mais c'est là qu'ils ont allé le lien aux amis. Mais ils sont plus en vie. Bango, Mazali, c'est une bonne moralité. Et il y a même des enfants qui sont nés après toi. Ils ont accouché dans la banne, mais qui va vous terminer si mal à yo, yo, tout mon colo. Qui ne sont plus en vie. Bango, Père, Mazali, c'est une bonne moralité. Mais quand je me lève le matin, sauf que yo, il télévisite au papa, t'as quoi, télévacan à Togo. Je commence à réaliser l'amour de Dieu. Je me dis que tout ce qui se passe dans mon entourage, c'est un enseignement. Que ce n'est pas le mariage qui me donnerait de Dieu. Ce n'est ni le paquet qui me donnerait de Dieu. Ni des enfants qui peuvent me donner. Mais je bénis Dieu. Parce que je suis en vie. Amen. Et à chaque instant, je me pose la question. Ceux qui sont morts. Je ne suis pas plus que. Papa, et il y a même des gens qui meurent. Ils ont appliqué pour tout le monde, ils ont dit qu'on couffe. Riche. Il y a un couffi. Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Ni, oh, le papa, personne n'a besoin de toi, personne n'a besoin de toi. Pour que je sois en vie. Pour que nous avons besoin de toi.
Voilà pourquoi, quand nous pensons à tout ça, nous avons tout intérêt. À chaque instant de louer Dieu. Je ne suis rien. Je suis rien. Je suis rien et j'ai rien. Mais ce que j'ai, c'est plus de la valeur. C'est le souffle. Et la Bible dit que celui qui vit, espère encore. Je resterai tant d'espérance. Pendant que je vivrai. Je resterai tant d'espérance. Pendant que Dieu me donne la vie. Et je l'adorerai. Je l'adorerai. Même si je suis madame. Mais je suis encore en vie. Je l'adorerai. Voilà pourquoi c'est un mystère que Paul avait compris. Quand bien même qu'il avait des poses sur son dos, les gens n'insultaient pas même la doctrine. Mais il y a une époque qui retenait l'attention. Mais c'était le souffle vivant. Et pendant qu'il avait le souffle, c'est pourquoi il avait réclamé un jour. Si je vis, si tu vis, si je vis, si tu vis, ce n'est pas moi qui vis. Et ça, c'est Christ. Mais pendant que Christ vit, en tant que Christ, je me laisserai conduire par ce Christ. C'est celui qui connaît le lendemain. C'est lui qui connaît l'avenir. C'est que tu seras demain. Tu ne le sais pas. C'est que tu deviendras demain. Tu ne le sais pas. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Ils ne le savaient pas. Ils avaient des problèmes. C'est l'année je veux faire ceci. Celui qui connaît le lendemain. C'est Jésus. Voilà pourquoi l'église. Devant nous approcher. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à l'église que vos cœurs ne se troublent point. Il faut même pas y penser, qu'est-ce que je mangerai. Quand tu avais 10 ans, 20 ans, ce que tu pensais, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. C'est que ton lendemain appartient à Dieu. Et si ma mère est en colo. Amen. Vous savez, des fois dans la vie, si réellement tu es un enfant de Dieu, il y a un temps, quand tu réfléchis, il y a des choses que tu avais fait avant. Aujourd'hui, pendant que tu es avec le Seigneur, des fois quand tu tournes le regard, si tu as l'esprit de Dieu, tu vas commencer à regretter tout ce que tu avais. Tu deviens ce que c'est moi qui avais fait. Mais comment je suis arrivé là? Mais Dieu répond. Il a dit à Israël, ne pensez plus aux événements passés. Et ne croyez plus à ce qui est bon. C'est important dans la vie d'une personne. Ce n'est pas la vie passée, mais le futur. Mais celui qui connaît le futur, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous confier à celui qui connaît le futur. Même mon père ne sait pas ce que je serai. Même mon mari ne sait pas ce que je serai. Il y a un peu de Dieu. Tu dois examiner toutes choses que tu as. Parce que la vie est tellement compliquée.
La vie peut basculer à quelques secondes. Il y a mon tour, on parle du canamois, et il n'y a pas remonté. Mais quand cette vie va basculer, je me demande où je serai avec. Ceux qui vont m'envoyer, je vais m'envoyer, je vais m'envoyer, je vais m'envoyer, je vais m'envoyer. Dis-moi Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. 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 Nous allons lire Apocalypse chapitre 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire le verset 5 au verset 6. Je l'ai habité dans ce qui nous a dit, tout en dit. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Apocalypse, le chapitre 6, à partir du verset 5 à 6, au nom de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens, je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Non, je dis parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole? Non, mais je dis est-ce qu'il y a des amoureux de la parole? Amen. Parce que si tu es amoureux de la parole, ce que nous avons, toi, Lina Kamaloba, tu es amoureux d'une personne. Vous appelez, parce que la parole que nous prêchons, c'est un homme. Un jour, quand il avait mis ses pieds sur la terre, il avait dit ceci: celui qui mangera ma chair, celui qui boira mon sang, sera sauvé. Déjà, c'est pour dire à l'église: si tu vas dans une église, là où on fait boire les démons, les sangs, c'est une église démoniaque. Parce que le sang n'est pas fait pour les démons. Et le sang était fait pour racheter l'humanité. Pour les rachats de l'église. Et la Bible est précise. C'est lui qui mangera ma chair. Et qui boira mon sang sera sauvé. C'est que le sang ne tue pas. Mais le sang était versé pour sauver. Mais comment on peut faire boire les démons de sang? Dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi le temps où nous traversons, c'est le temps de la précision de l'écriture. Et ça, et l'école, c'est que toi, bien papéla, il convient le midi. Parce que cette Bible, c'est une grande forêt. Et ça, Zamba Molène. Mais c'est lui qui peut parcourir cette forêt. C'est lui qui est éclairé. Et cet éclairé, son nom s'appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes, parle de la part du Seigneur. C'est que je ne peux jamais enseigner ma pensée. Je ne peux pas me mettre devant l'église et parler de moi. Parce qu'un bon serviteur, c'est celui qui parle de soi-même. Et le temps nous traversons, c'est le temps de langage. Le temps de langage du maître. Oh! Donc, la Bible dit que personne ne peut servir après qu'on sale deux mètres à la fois. Soit il est méchant, hein, et il aira l'autre. Laissez qui? C'est le Seigneur qui nous enseigne la doctrine. L'enseignement de la sainteté qui amène le peuple dans la sanctification. Mais l'autre maître, il enseigne l'enseignement de la richesse. Et cela n'est pas dans la doctrine du Seigneur. Voilà pourquoi l'esprit de Babylone, il vient en église pour enseigner la richesse. Voilà pourquoi les églises ne sont plus des églises, mais sont devenues des ministères. J'ai le ministère de finances. Le ministère de finances.
n'existe pas et n'existera jamais. Parce que le ministère de Jésus, ce qu'il a laissé à l'église, c'est le ministère de la réconciliation. Ça, c'est le ministère que Dieu a établi. Ce qu'il a donné aux uns et aux autres, comme c'est pour dire que quand je me lève devant l'église, je ne suis pas un pasteur, mais je suis comme. Quand je suis comme, c'est que je suis une copie. Mais l'original est quelque part. L'original ne peut jamais être égal au côté. Celui qui fait le miracle, c'est l'original. Et ça, mais moi, je ne suis qu'un copie. Je ne suis qu'une copie. Et je suis en train de dire, vous racontez ce que j'ai vu de l'original. Voilà pourquoi le nom de Dieu ne peut jamais opérer le miracle. Le miracle, c'est Jésus. Il fait ça autant vous voulez. À qui il veut. Amen. 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 Nous voulons remettre l'église à sa place. Parce que l'église a perdu sa mission. L'église a perdu sa saveur. L'église a perdu sa saveur. Dans l'église, il n'y a pas de ministère de finances. Mais non, il y a un bon mot. Ni le ministère de la prospérité. Donc, il y a un bon mot. Déjà, quand tu rentres dans une église, ce qui est au bout, vous dites, nous sommes spécialistes sur tel domaine. Par contre, le ministère de la prospérité, il y a un bon mot. Publiquement, c'est une église de démons. Parce que le seul ministère que Dieu a laissé à l'église, c'est le ministère de la réconciliation. Et ça, le temps à cause du savoir qu'il a tapé, c'est de réconcilier l'église. Et ça, cause du savoir qu'il a avec Dieu. Là où tu marchais dans le péché, si vous avez compris, cette parole vient de réconcilier. Malheureusement, il était cause du savoir avec Dieu. Là où tu avais dérouté, et si vous avez compris, cette parole vient de réconcilier. Avec Dieu. Quand tu y es réconcilié, voilà pourquoi tu as vu l'église. Heureux. Et c'est bon. Un peuple par lequel Dieu admis encore dans sa présence ce que la bénédiction est dans la présence de Dieu. Le mariage est dans la présence de Dieu. La paix est dans la présence de Dieu. La grâce. Et toi, la présence de Dieu. Voilà ce qui est important pour les gens. Ouais, ce n'est ni l'or, ni argent. Mais c'est la réconciliation. Voilà pourquoi je demande à une personne de te réconcilier avec Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Vous savez, tu as tant servi le Seigneur. Oui, mais combien d'années tu es dans le Seigneur? Mais ton alliance avec le Seigneur a été rompue. Quand c'est beaucoup de tu le sais bien. Où est bien mon malonga? Pas de péché. N'allez pas sous. Ton alliance. Où est quand nous encore a été rompue. Y a c'est beaucoup de. Et comment tu pourras chercher la bénédiction en dehors de la présence? Vous avez mis yoko lunga kama pam boli kosa la libanda encore. C'est-à-dire tout ce que tu reçois en dehors de la présence de Dieu. Y a moi yoko lunga. Dieu s'est dit qu'il y a un bac. C'est une bénédiction éphémère. Et ça n'est pas pour eux qu'il y a moins tant de moquets, mais qu'on les connaît en haut, dans l'ombre. Dis-moi Amen. Amen. Et parlons, notre thème, c'est sortir de Babylone, mon peuple. Mon tour n'a dit qu'à mon tour, l'homme est là, car les alliés, c'est une bonne année à Bima, la Babylone. Sortez de Babylone. Bima, la Babylone. Nous avions vu, avant que Dieu puisse bénir Abraham, Dieu avait demandé à Abraham de quitter Babylone. Parce que Ur HaChaldée était dans Babylone. Ur HaChaldée, il y a un Babylone. Va lire l'histoire de la Bible, tu verras que c'était dans Babylone. Et Dieu n'a pas voulu visiter Abraham dans Babylone. Et ça, c'était l'image. Mais aujourd'hui, Babylone existe. Babylone appelle Zalaka. Et voilà pourquoi nous devons avoir cherché la révélation de la parole. Pour avoir le classissement
du mystère de Babylone au temps de la fin. Pour qu'on soit pénible, pour qu'on soit manamaele, qu'on t'aille se dire comme moi, bon, ma bombe a mis la Babylone. Parce que l'esprit qui était en Babylone, c'est mon livre, j'ai quitté la Babylone. C'est le même esprit qui règne aujourd'hui. Vous savez, quand mon livre, il y a un moment où vous avez nous. Et voilà pourquoi Dieu est en aimant l'église. Il y a un moment, quand on le croit, il n'a qu'il pense à l'imbombe. Il nous a tellement aimé. Il n'a qu'il pense à l'imbombe. Je veux dire à une personne, que Dieu t'aime. Et que Zamba l'imbakayo. Amen. Il y a quelqu'un qui réalise l'amour de Dieu. On te voit content là. Au niveau de l'ensemble, il connaît comment il a aimé. Amen. Comme Dieu nous a aimés. Et Dieu va donner une pensée, une révélation à Jean. Et voilà pourquoi Jean est en train d'enseigner cette révélation que Dieu lui avait donnée pour l'église. Pour l'église. Parce que c'est le temps de la connaissance. C'est le temps de la connaissance. Un peuple péri. Faute. Pour être basanqui, la connaissance. Quand l'Église n'a pas la connaissance, l'Église n'a pas, de fondement. Et l'Église n'a pas de racines. Les anges m'ont si ça m'a l'ouvert. Alors Dieu va révéler à Jean. Nous avons vu une ouverture du bénisseau. Pendant qu'un ange criait, dans le moment j'ai cogné, il y a un saut qui s'est ouvert. Il y a un saut qu'on fout moi. C'était quoi en réalité? Il y a mon père qui dit, c'était un livre scellé. J'ai beaucoup mon corps est en la dans ce livre, il y avait la révélation. C'est le beaucoup la moitié qui a beaucoup fout moi. Il y a beaucoup d'armes que l'Église avait besoin. Oui, c'est que les amis ont besoin. Que l'Église a besoin. Mais l'Église en a un gros besoin. C'est ce qui est très dangereux pour l'Église aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai pour moi qui il prend l'Église à l'eau. Très dangereux pour l'Église. Amen. Ce qui est très dangereux pour l'Église, c'est qu'il y a pas si bon là, c'est qu'il y a des gens qui se disent serviteurs, mais tu commis bien dans la salle, et qui possèdent aussi des livres. Mais le livre est toujours scellé. Mais beaucoup est encore à Kokangama. Et quand le livre est scellé, l'Église ne peut pas recevoir la connaissance. L'Église connaît qu'on soit coyant, pas moyen d'y faire. Voilà pourquoi Dieu connaissant les temps où nous sommes. T'as l'ensemble coyé et les côtes, vous allez connaître ça. Parce que dans la vie, tu ne connais pas la notion du temps. Moi, c'est un bon moyen. Si tu ne sais pas lire les temps, si tu ne sais pas discerner les temps, cette femme qui a 40 ans, moi seul, vous la tout combiné, mais qui continue à vivre comme une fille. C'est que tu ne sais pas discerner le temps. C'est un homme qui a plus que 40 ans. Mon valeur, ma boule a tout quoi l'équipe. Mais qui vit toujours comme un enfant. C'est que tu ne sais pas discerner le temps. Donc dans chaque époque, il y a un message. Dans chaque période, il y a des priorités. Aujourd'hui, notre priorité, ce n'est pas la richesse. Mais notre priorité, c'est le royaume. Parce que bientôt, il y a l'enlèvement qui arrive. Je vais poser la question. Papa, tu as quel âge? Depuis quand tu as commencé à chercher l'argent, papa? Mais qu'est-ce que tu as? Tu as quel âge? Et tu as combien? Et tu as quand tu réalises tout ça, tu as quel âge? Quand tu réalises tout ça, tu as quel âge? Papa, papa, tu vas lâcher à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Vous savez, un enfant de 15 ans, il dit sa priorité, c'est les études. Un enfant de 18 ans. Moi, non, mon cœur, 18 ans. Une fille de 18 ans, sa priorité, c'est des études. Moi, si elle a 18 ans. Oui, elle m'a quand même dit, c'est quelle année là? Une fille de 20 ans. Moi, si elle a tout mis. Sa priorité, c'est les études. Oui, elle est bosso, et ça n'a rien de là, si elle est. Mais ce que vous dites, moi, à 20 ans, une fille de 20 ans, elle n'a pas la dame d'autre. Tu vois une fille de 20 ans qui court derrière le mariage, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, ça n'est pas la malade. Non, dis-moi amen. Amen. Et à un certain âge, pendant que l'âge avance, les priorités aussi changent. Mais comment peut-on se dire les canaillambos? Maintenant, j'ai au moins plus de 30 ans. Ah ouais, c'est que comme il connaît qui s'appelle Amoula. Maintenant, c'est comme je peux aussi commencer à. Ah ouais, c'est qu'après le yoga, on peut qu'on
banda komanyo la ko luka ka lo lengeli libe ko ko la des priorités sont ah wana ni kamwa ya mo pe bongwa mais cette femme qui te regarde moi ça dai ko tala et la quedas asa na mulo ko mais le continue ya dai ko ko ba kaka comme un peuple yé ko sana ka mabe mais c'est quoi ta priorité mais oh ya yo dai ko ka libo sona bongwa ina yo ko tu ezali quoi ta priorité ezali ni ya mo tu ya pona ni et Dieu connaissant la priorité de l'église savait ko ba wa ko tu ya wo c'est qu'il a dit ko ba. Voilà, il a envoyé maintenant la révélation à Jean. Tala, un pessimo pour moi. Maintenant, la Bible dit ici. Ah ouais, c'est bien pour quand le péché sauf fut ouvert dans le ciel. Dans le bouc, on a un mot. Il faut moi, mais qu'on a là. Jean a vu. Yoann a moni. Un cheval blanc. Le calo, la pembe. Sur le cheval, il y avait un cavalier. Le colon a le calo, mon tocotam pousse à le calo. Ça, on en a déjà parlé. Ah ouais, ici, on le met là qui a. Et Dieu continue. Zamba Kobi. Pourquoi vous allez comprendre, nous allons faire l'ouverture de cette seau. Bino Boko Manuela. Donc, au fond, on va beaucoup sambo. Or, c'est cette seau. Donc, on va beaucoup sambo. Et tout simplement l'image. Et Zaka Bekabeli. De ces sept jours de création. Il y a le colo sambo. Zamba Kela. Dieu a prié pendant sept jours. Zamba Kela qui dit qu'on sambo. Et le septième jour, il se repose. Pour mon tobapé, mon colo sambo. C'est que quand le septième sceau va s'ouvrir, tango, beaucoup n'assemble qu'au fond. Et c'était le temps du repos de l'église. Ah, et après, ils allaient dire tango, et qu'est-ce que c'est que les paiements? Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons à l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Nous devons faire attention. Dieu, c'est la question qu'on s'est la gagner. Parce qu'il y a un temps de repos qui s'approche. Ah, pour être ça, mais les gros, c'est que Yoko, t'as beau père, il y a eu un coup de ça. Ça n'est pas pour qui me la banque et au Tikana. Les maisons pour qui, pour lesquelles tu cours derrière, ça. Ça va rester. Amen. Il n'est pas nos autres qui fait la banque. Le mariage que tu cours derrière, ça restera. L'argent que tu cours derrière, ça restera. Bon, on ne dit pas l'église de ne pas travailler. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne travaille pas, mais il va les gêner. Il va les L'argent ne vient pas dans le jeûne. Il faut aller travailler. Il faut aller 10 midi. 23h jusqu'à midi. De tu dois travailler. Même les papiers, on le cherche, il faut faire une démarche. Yo, va dire quand tu préfères. Quand tu es assis chez toi, le Saint-Esprit, il va toucher le Saint-Esprit. Et après, il y a une maman à Pontoise. Ah, maman, moi, pas ça qu'on a pas. Non, maman, il y a une démarche. Maman, yo, c'est bien le combi, maman. Ton retour, il y a un autre, ça ne m'a pas laissé. Ça va, il y a un bâton à mon taoudé. Tu vois, amen. Amen. Et maintenant, nous sommes. On... Et quand le deuxième sceau fut ouvert, dans mon bouc, on a mis balayé, et pour moi, il y a eu un cheval au bout. Ah ouais, si, car mon local, il y a montagne. On en a parlé. Pour le bel acquis là. Maintenant, nous sommes à l'ouverture du troisième sceau. Ah ouais, si, quand le tour, on a beaucoup mis ça. Mais quand le troisième sceau fut ouvert, dans mon bouc, on a mis ça, tu es pour moi, Maka. Écoutez ce que Jean voit. Yoka, oh, Yoann Komona. Jean voit un cheval noir. Yoann Komona, local, on a moïdo. Mais ce cheval, donc, au calo, avait une balance. Avec la balance. Et quand il descend sur la terre, tout qui t'en a mabélé, Dieu l'arrête. Zaba de l'émission. Il dit attention. Ami, Keba, Salangé, ne fais pas de mal. Au sala mabété. À lui, non, ma foudre. Et enfin, la fille. Ne fais pas de mal. Yo, au sala mabété. À lui, la lui, ma foudre. Et enfin, la fille. Mais je me suis posé la question. Papa, il te dit, quel est ce cheval? Le calo, le parce que le cheval, en réalité, et les cavaliers, c'est Jésus. Mais pourquoi quand ce cheval se présente, Dieu dit écoutez, arrêtez. Ne fais pas du mal à lui, les autres. C'est que ce cheval-là, ce n'était pas Jésus. Mais c'était un autre cheval. Qui s'appelle l'Antichrist. Mais quand il arrive, il apporte une couleur. Mais cette couleur-là, ce n'est ni la couleur blanche, ni la couleur rouge. Mais c'est la couleur noire avec une balance. C'est que Dieu a vu que ce cheval, sa mission, c'est d'aller faire du mal. Voilà pourquoi Dieu va lui dire pendant que tu descends sur la terre, ne fais pas du mal à lui, mais ne fais pas du mal à ça. Que la Bible dit l'île, c'est l'onction de l'esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est que les démons ne peut pas toucher les gens de vous. Voilà pourquoi la Bible dit que vous devez être revêtu de l'Esprit de Dieu. Quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a déjà un mandat que Dieu a arrêté.
dis-moi amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est intouchable. Et si le Saint-Esprit est intouchable, et le Saint-Esprit habite où? Hein? Encore? Dis ça plus fort. On va rater le bas, on vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Tout ça pour cela. Dis ça plus fort, le Saint-Esprit. Tu vois, tu es d'accord avec moi? Et quand tu vas dans une église, on te dit nous allons invoquer le Saint-Esprit. Il vient d'où? C'est la fausseté. Nous allons invoquer l'Esprit. Que l'Esprit descende. Il provient d'où? Avant de il habite où? À la il dort où? Quelqu'un m'a compris? Mon temps se fait, il amen. Yo, où t'as l'église de la toi, tu ne provais pas de cette église, on te demandait d'invoquer. Père la monime. Ils ont l'invoqué. Où t'as connecté? Toi, tu ne viens pas de là? Le choix? Où t'es là? Ton combien de livres? Ils ont invoqué l'Esprit. À ça la ligne. Tu descends. À qui? À qui? Tu descends. À Outi. Ouais. Tu descends. Voilà maintenant la première réponse va corriger cela. T'as là, Thomas Paul a dit qu'on peut qu'il écoutez ce que la porte Paul dit. Donc, quand Thomas Paul le n'attristez pas. Oyo qui s'accapare, le Saint-Esprit. Mon livre, mon sens. Qui? Oyo. Oyo, la cacate, Nabino. Qui habite? C'est que dans ce local, il y a moins que le Saint-Esprit n'habite pas ici. Dans ta maison. Le Saint-Esprit n'habite même dans l'air. D'ailleurs, dans l'air, il y a le prince de l'air. Mais le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, quand il est descendu sur la terre, il habite maintenant dans l'homme. La demeure des cieux, c'est toi qui es le temple. Quand tu prêches, tu as Christ l'Esprit. Mais quand tu te réponds, il y a de Dieu rempli en l'Esprit n'habite pas ta mère. Arrêtez l'Église. Développez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite à nous. Amen. Quel est ton bishop de l'Église au va poser la question sur bishop. Pour Dieu, que pose la question, nous allons invoquer l'esprit. L'esprit là, il provient d'où? Il se couche où et il provient d'où? Pasteur, il y a papa me court. Non, on avait un pasteur qui était vieux plus que lui, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Notre église était plus grande que celle-là. C'est que le pasteur a fait un mal. Oui, parce que les pasteurs nous avaient mal passé. Je ne suis pas en âge, maman. Le problème, c'est d'avoir la révélation de la vie. Mais écoutez maintenant le cheval noir. Quand tu viens, Dieu lui dit ceci. Vous savez qu'on connaît. Ne faites pas de mal. Pourquoi Dieu lui dit ceci? Pour les amis coupés qui ça. Parce que quand il vient, pourtant on y a quand il apporte une coloration. Aya quand on l'âme du monco. Cette couleur c'est quoi? Donc là il y a mes amis. C'est la couleur noire. Les amis non? Qui est le temps de ténèbres. Oui les amis tant où y a mon lili. C'est qu'il apporte. Il met ma car. Le ténèbres. Mouindo sur la terre. C'est non là c'est la mort. Maintenant tout ce que nous vivons. Dans ce temps comique. C'est l'œuvre du ténèbres. Les amis ça la mon lili. Tout ce que nous voyons. On te dit comment là? C'est l'œuvre du ténèbres. Les amis ça la mon lili. Voilà pourquoi Dieu l'avait connu. Y a mon zambé collé par une moya. Et Dieu lui a dit. Les amis collent ne faites pas du mal. Kosala ma bête. Quand Dieu parle ne faites pas du mal à lui. Tant aux amis qu'on peut dire que ça ma bête n'a pas foutu. C'est qu'il voulait tout simplement dire. Zambé lili ne collent pas une moya. Que ne faites pas du mal à mes saints. Kosala ma bête n'a pas senti un saint de Dieu. Excepté mon saint qui s'est protégé. Un saint de Dieu, au sang qui s'améliore, est protégé, abattez l'homme. Un saint de Dieu, au sang qui s'améliore, est protégé, abattez l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, la mamie lui a colo. Que l'ange de l'Éternel, mettez moi je les amis. Quand pour tous les ceux qui craignent, c'est qui est important. Oh, mon Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est qui est important. Oh, mon Dieu, c'est l'obéissance à la parole. C'est important ça malheureux. C'est qui est important. Oh, mon Dieu, c'est l'obéissance. C'est important ça. À la parole. La parole dans les amis. Tu ne te diras jamais un saint de Dieu. Yo comme il va regarder mon saint de la zambé. Pendant que tu vis ton impudicité. Tant vous avez compris qu'il y a des cocos et cocos. Dans les mensonges. Dans le couta. Dans la calomnie. Quand tu as fait ton bateau. Mais écoutez les tons du ténèbres là. Tant
Amen. Amen. Mais écoutez, il vient au temps du ténèbre. Yoka, ayaka na tamo na molimi. Mais il a la balance. Mais attrape la balance. Mais la balance qu'il a. Balance où y a ça? Ce n'est pas une bonne balance. La balance à madame. Mais c'est une balance particulière. Et ça, balance où y a pas bien ça? Or la balance. Donc à des balances. Suis-moi bien. La nana boke des sikoy. La balance. Et sikoy va tchaka l'on va compenser. Le but de la balance c'est quoi? Mon salaire à vos amis. C'est pour l'équivalence. N'est-ce pas? Mais quand le diable vient, avec sa balance, là où il y a une balance qui est falsifiée, ce n'est pas pour l'égalité. Exactement, c'est pour ça que le temps du ténèbre. Et ici, c'est pour ça que apporte l'injustice. Et il y a un complément de justice. Le temps du ténèbre, tant qu'on a mon lit, apporte la justice. Mais ma chère justice, t'as toi à l'autre à l'amour. Ce papa qui me regarde, ce qui maman est mon tapé, si c'est sa mère qui tombe malade, à l'autre d'un mille euros, il peut envoyer, il va envoyer 1000 euros. Mais ce qui maman est à moi, c'est. Et si c'est sa belle-mère, a-t-il 100 euros. C'est 100 euros qui sera envoyé la justice. Yoko, ça ne sera pas ma trombe. Amen. Mais ce qu'on va dire à maman, chouchou, j'ai si tu es avec elle, chouchou, j'ai une idée. Madame, béni, quoi qui se fait. Beaucoup de paroles pour te flouer. Mais ce que tu as besoin, maman Donna, ce n'est pas des paroles. Ouais, mon tu as maman Donna, nous avons le batté. C'est des actes. Nous avons mis ça là. Amen. S'il n'y a pas des actes, viens me voir. Ceux qui mis ça, les actes, il n'y a qu'à mon papa. Parce que nous vivons des temps de l'injustice. Ce que tu es en train de vivre, c'est l'injustice. Ils appellent l'injustice. Pourquoi? Pour ami. Tu es une femme. Que tu moi aussi. Tu as droit au mariage. Tu as droit aux enfants. Tu as droit à la paix. Mais tu ne sais pas. Mais les temps que nous vivons, il y a déjà une balance. Et c'est la balance. Et qui a porté cette balance? C'est le cheval noir. Voilà maintenant. Les temps qui comptent. Nous devons combattre pour sortir de cette injustice. Injustice. Si tu ne combats pas, ce que vous dites, si tu ne combats pas, ce que vous dites, même dans la vie de tes enfants, il y a l'injustice, papa. Et ça, l'injustice, papa. Quand tes enfants sont en santé, pas la ressource, mais il y a que tes enfants qui ont des problèmes. Mais c'est l'injustice. C'est l'injustice. Qu'est-ce que Dieu a fait pour subir ça? Il y a des femmes qui se marient. Tu ne te maries pas. Mais c'est le tour du ténèbre qui a porté l'injustice. Tu n'as rien fait. On s'en est l'autre côté. Tu n'as rien fait. On s'en est l'autre côté. Il y a des prostituées qui ont des enfants. Ils ont un bateau, comme ça, comme un dumba, comme un cabane. Tu peux faire un enfant de matin. Après, comment tu as un enfant de matin? À midi après un enfant. La semaine dernière, il y a juste le soir un enfant. D'accord, après tu l'as eu. Mais Dieu, ça l'a dit. C'est la justice. C'est la justice. Tu vis la justice. Dieu, c'est compliqué. Le même rapport, comment les années de justice? Pourquoi pas que nous vivons les taux? C'est papa qui me regarde, c'est un infidèle, mais il ne peut pas lever son doigt parce que sa femme ici. Infidèle. Infidèle. Papa. L'imitation, ça y est, tout ça, tu l'as vu ça. Papa, excuse-moi de t'en parler, nous sommes entre nous.
Tu as la force de vivre. Maman, je suis dans le syndicat de dehors, il y a moins de papa. Tu commences à rien, tu es sorcier. T'es exactement donc. C'est de la sorcellerie. Oui, plein d'art, chérie. Tu viens aussi à la maison, chérie. Oh, Yéza. Est-ce un sorcier qui est parmi nous? Quand on a besoin de traiter la couple, mon papa, t'as vu ça? Quand ton papa il est en train de traiter avec un couple, il va pas nous raconter, mais dans un couple, papa, quand il arrive à la maison, il y a une amie à sa femme. Et là, mon inga et moi ici, là. Le mari saute avec l'ami à sa femme. Père, on va aller comme il va. Là, mon inga et moi ici. Tu es de femme tout le temps chez elle. Moi, sur ta volée, ça y est, sa femme n'a pas mal à l'endroit. Et d'ailleurs, l'homme, quand tu donnes des exemples, il faut être comme ta copine. Là, mon avocat, il s'appelle Van Matisse, la moitié. Non, t'as pas le droit. Quelqu'un, ça va faire le même gars. Sorcier! Père Kidoki. Écoutez ce que l'homme dit à la femme. Moi, toutes tes copines, je ne les aime pas. Là, bah, n'y a pas de la cater. Moi, j'aime la Nathalie. Tu la famille. C'est une belle fille. Moi, c'est malade. C'est une fille qui est pourrie. Avant moi, ça, on lui met bien. Tu vois comment elle est? Yo, moi, je l'ai bien, ça. Mais tu sais, ça peut même être pourrie. Yo, ça peut même être. Et tout ça, c'est quoi? Non, c'est pour la nuit. C'est une fausse balance. Exactement, bah, là, ça m'a baissé, ma boucle à la tête. L'infidélité. Infidélité. On ne peut pas comprendre la beauté malheureuse. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait ses conversions aujourd'hui. À la fin du Blitz, papa va vite, tu vois le pasteur vite fait. Oui, c'est la fin de la vie, on ne dit pas. Nathan a fausse balance, ça c'est la fin de la vie. Je suis sur une fausse balance, prie pour moi. Bon, ça te va dire moi, toi. Quand on va commencer à évoquer le feu ici. Au moins, on a ma frère, on est mort, il y a frère. Le feu que lui évoque. Vous savez, le christianisme, vous voyez l'équipe au Christ, ce n'est pas sécurisé. Ils ont besoin comment la carte, comment la carte, comme ça la carte la mission. Le christianisme, au Christ, c'est l'obéissance à la parole. Ils ont tout ça, ma commune des années. Le christianisme, au Christ, c'est la crainte de Dieu. Ils ont les commandements en paix. Même si je suis quelque part. À ta cousine, si Kassongo l'opaka. Il y a deux personnes qui sont dans ma présence. Ils ont battu le balai, là vous allez saluer. Il y a Dieu. Ils ont Zambé. Et qui? Là, mon limon, mon sang. Mais Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ils ont dit que mon limon, il y a Dieu. Ils ont Zambé. Non. Ah! Qui? Il y a Dieu. Ils ont Zambé. Et ma femme. Non. Moi, c'est le balai. C'est de tout ce que je fais. Ni on d'abord, je vois Dieu. Il y a mon bonis en mer. Deuxièmement, je vois ma femme. Il y a mes balais au moni. Je vois Dieu. Ce que mon isa. J'ai la crainte. Est comme, hein? Quand je vois ma femme, pour mon moni, moi, je vais rester fidèle. Donc, dit, alors, et la balance. Les balances. Que le cheval noir me propose. Et que le cas, oui, avec côté. Je l'avais lui. Parce qu'il a une mission. Oui, il y a Zanmé, le dans la carte. Et le but d'abord, la communion avec ma femme. Deuxièmement, la communion avec Dieu. Et à mes balais, au bout, Kaboyoka, il y a Zanmé. Amen. Et là où il y a le cheval noir. Ah ouais, c'est quand le calo la moyenne doit s'aller. Comme j'avais dit le jeudi, il y a des trônes sataniques qui s'est établi. Ils en ont parce qu'il apporte la couleur noire. Oui, ça m'a mis l'angle de moïdo. Oh, que la couleur noire. Donc l'angle de moïdo. Vous savez comment on définit la couleur noire? Oui, le lingui, bah dit Mbolaka, là il y a Mouindo, là il y a Mouindo. Nous sommes la classe. Nous retournons sur les bancs de l'école. Papa, ça fait longtemps qu'il a laissé. Kala, la société universitaire, Kala. Ça fait longtemps qu'il a fini ses études. Qui peut me défier la couleur noire? Vous tenez avec le limo là, là il y a Mouindo. Vous tenez le bois noir, c'est facile. Et là, vous voyez le noir. Mais c'est noir. Mais des limo la couleur noire, qui peut me défier? C'est l'absence de tout le couleur. Hein? L'absence de tout le couleur. L'absence de toutes les couleurs, c'est bien. L'absence de la lumière, c'est bien. C'est l'absence des éclats. Les accusations du cerveau est bête à cannabis. Sur la couleur noire, il n'y a pas des éclats. Pour être là, il y en a moins d'eau. Il est bête à cannabis. Dis-moi, amen. Amen. Voilà maintenant la mission, je ne sais pas d'où. Ah, voilà ce que je dis là.
y a un local où il y a Moïse. Quand le cheval doit dans au temps de la fin, dans mon local, il y a Moïse dans la le Konasuka. Il a une mission. Avant les tout est clair. Kubuka, oh, il y a ce qui est dans la vie de l'Église. Même si tu es dans un mariage, mais ça sera un mariage qui n'a pas d'église. Et ça, il y a tout le temps. Oh, moi, si on est là, quand on a pris son livre, l'homme pleure tout le temps. C'est un mariage qui n'a pas d'église. Et ça, il y a tu peux avoir des papiers. Mais c'est un papier qui n'a pas d'église. Un papier qui n'a pas un bon travail. Un travail qui n'a pas de promotion. Et un travail qui n'a pas un bon salaire. Pourquoi parce que c'est un travail qui n'a pas d'éclat. C'est ça la mission du chevalier. C'est de dire tout éclat. Aujourd'hui dans ta vie, il n'y a pas de éclat. Et là il n'y a pas de éclat. Il y a des gémissements. Et il y a des pleurs. Même dans ta santé, il n'y a pas de éclat. Il y a qu'une maladie qui a sujeté. Pourquoi? Parce qu'il y a des pleurs qui tournent. Dans quel domaine de ta vie il n'y a pas des éclats? Tu n'es pas clé pour pleurer. Non. Maman, je te dis, tu n'es pas appelé pour pleurer. Maman, on va te dire qu'on va pour le papa, tu n'es pas appelé pour pleurer. Papa, on vient d'amener pour la connaître. Et voilà pourquoi Ecclésiaste dit qu'il y a un temps. Au talent, au canal Ecclésiaste qu'on le bat. T'as eu le cap, ça doit s'arrêter. Il y a moi, c'est les sous qui a ça doit s'arrêter. Ah, contre ça, avec moi, ça doit s'arrêter. C'est quel est le cap, moi, les sous. Non, dis, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça veut dire quand tu déclares comme ça, tu ne déclares pas. Et pendant que tu déclares avec toi, le ciel t'accompagne. Amen. Écoutez, cheval de blanc. Tu ne feras jamais du mal. Il y a Moïse au salaka ma bête à lui. N'a pas foutu. Un enfant de Dieu. Moi, dans l'ensemble, c'est l'image de lui. Et il dit, il y a ma foutu. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit, il y a moi la Bible est qu'on le voit. Que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Ma foutu est qu'on soit pas là quand la moto là haut là. Descend sur ses épaules. Et qui tire la mapé canaillé et sur sa barbe. Mais la mandefou. Vous savez pourquoi sur les épaules? Oui, pour la ligne la mapé. Parce que le souverain sacrificateur. Mettez mon tout bébé car. Porter 12 pierres sur ses épaules. Il y a comme ma zone n'a plus balé. Il y a ma banga. Or, c'est 12 pierres. Donc, à ma banga, il y a une image d'un peuple d'Israël. Qui le lit, il y a une botte en Israël. C'est que l'huile ne devait pas couler par terre sans passer par terre. Bah, foutre que quand il se coupe par la tête, il y a les canaïs dans ma péca. Tu as l'huile de puissance de ce qui est. Tu deviens intouchable. Yoko, il m'a dit, ma caté. Parce que Dieu l'a déclaré. Mais tu ne sais pas, ça t'a donné. Amen. À 17 années, je serai intouchable. Le maître boule au moto, t'as aussi ma taille. Si j'étais touché, déclare avec moi. Si j'étais touché, l'année dernière, mais cette année, de l'huile de l'esprit, coule dans ma vie, et que je deviens, intouchable. Intouchable. Il faut que tu deviennes intouchable. C'est bien que nous, comme on doit assis ma taille. Mais pour devenir intouchable, tu es comme un amour. C'est le fond de la présence de mon ami. Quand tu reçois lui, et tu vois, il n'y a pas ma foudre. L'huile que je parle, ma foudre, papa, qu'on le met là. Ce n'est pas l'huile d'olive, on va parler dans les autres. Il n'y a pas de foudre d'olive, l'huile d'olive qu'on a ouin sur ton corps. Va dire à ce prophète qui te montre toute l'huile tout le temps. C'est bien qu'on le met là. Mon sacoyo, il n'y a pas de foudre dans les autres. C'est un démon. Il y a des démons là. Parce qu'il y a de l'huile. Oui, tu es là, ma foudre. Que Dieu nous a envoyé. Aux abats. Après ça, tu dis ça. Qui est son esprit. Les abats, mon ami. Vous allez voir, au temps d'anciens, au temps de la loi, ils utilisaient l'huile d'onction que Moïse avait conçue. Mais quand le Seigneur est descendu sur la croix, il a dit Père, tout est accompli sur moi. Il n'est pas venu abolir la loi. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a accompli. C'est que là où un enfant de Dieu péchait, il se ramenait devant le sacrificateur avec un anneau. Tout
toute la loi qui était claire au sacrifice était abolie. Mais quand si tu pèches, ah ouais, si ne ramène pas un agneau. Non, mais fléchis tes genoux. Demande pardon. Confesse. Parce qu'il y a eu déjà un agneau. Il a été immolé pour ton péché. Amen. Dis-moi amen. Amen. Et il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Parce que la loi du sacrifice était abolie. Mais écoutez ce qui dira l'église. Je m'en vais. Parce qu'il est avantagé pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, les consolateurs ne viendra pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas deux personnes. Mais il était lui-même. Qui était au commencement père. Maintenant, quand il vient pour sauver, lui-même qui était le père, il va porter le corps d'un fils. Maintenant, dans le fils, il y a la divinité du père. Maintenant, il descend pour sauver. Maintenant, comme le salut était accompli, il devait continuer sa mission. Mais il ne peut pas continuer la mission dans le corps du fils. Parce que le corps du fils avait une mission de te la jeter. Maintenant, il devait monter. Il devait monter. Pour faire quoi? Pour se transformer. Et qu'il revienne comme étant un esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas l'esprit d'un animal, mais c'est Dieu lui-même. Ce qu'il était avantagé pour vous, et je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand les jours où le Saint-Esprit est descendu, les jours de la Pentecôte, lui qui était versé sous le sacrificateur, il était fini. Parce que maintenant, lui, est remplacé par le Saint-Esprit. Et quand tu vas dans une église, on te dit d'acheter une bouteille d'huile. Une olive. Le carrefour. Qui est ce pasteur? Qui est un démon? Parce que Dieu a dit, tu ne feras jamais du mal à lui. Mais ce n'est pas lui. Et ça m'a foutu. Laissez cette huile-là que les mamans puissent frire avec le avec ça le fruit. Laissez-lui l'éclair de Carrefour et de Saint-Prix. Ah. Voilà pourquoi nous devons admirer. C'est bien la puissance que nous la car, qu'on s'appelle la car. Le baptême de l'esprit. Et c'est au baptisme. La molly comme ça. Le baptême de l'esprit. C'est qu'on baptisme la molly mo. Ce n'est pas les yondo bo bo bo. Exactement le bo bo bo. Ce n'est pas les shira ba ba ba. Exactement le tout là. Ce n'est pas de ma proposition, c'est de ma projet. Merci. Mon tonamou Tazarana, il y a ma proposition. Il y a chacun qui a à sa manière. Pas besoin de Wapi. Ils l'ont pris où? Pas besoin de Wapi. Ils l'ont pris où? Tout ça, c'est ça. Il ramène l'église. Au lieu qu'il ramène l'église dans l'onction de l'esprit. Il va même à l'église, il y a un moyen au centre. Il ramène l'église dans des sensations. C'est comme l'église, il y a. Une église ne peut jamais être une église sensationnelle. C'est une église de l'esprit. Vous savez une question que je me pose, c'est quoi? Écoutez-moi. Je me pose une question. Papa Mituni, un pasteur qui dit tout le temps le bo-bo-bo-bo. Ba-ba-ba-ba-ba. Et quand il fait ça, c'est qu'en réalité, il a l'esprit de Dieu. C'est donc n'est-ce pas? Tu veux le pasteur. Après, je le critique. Je me demande. Maintenant, le popopopopo. Ça va être les choses de Dieu. Oui, mais ma camarada, c'est réel et c'est la vérité. Il y a un peu de temps solo, il y a un peu de temps solo. Oh, tout n'est pas dedans. Dans le temps de langue, il y a deux dimensions. Et ça n'a plus le même. Il y a le parler et ça n'a plus le même. En langue.
Et de prier, en langue. Tu vas demander ton évêque. Les jours, je ne sais pas. C'est le parler. Ou c'est le prier. Parce que la Bible dit. Quand tu parles la langue, tu parles, n'est-ce pas? Et vous êtes comme le. Et quand on parle, c'est pour que les gens entendent. Sauf que vous avez le bâtiment, c'est pour être pas manuel. Sauf que le macamon, j'ai compris ça. C'est différent de prier. Et qu'est-ce que c'est que parce que tu peux prier en voix basse. Donc, vous voyez comment de la carte, ça y est. Mais quand je parle, quand vous allez comprendre ça, c'est pour que les gens puissent entendre. Il y a des vous allez comprendre. C'est pourquoi Jésus dit la ceci. Il y a moitié d'un moyen sur le bâtiment. Quand tu parles la langue, quand vous allez comprendre le bâtiment, et qu'il n'y a pas d'interprétation. Et c'est votre moyen, il y a ça, tu fais quoi? Quand là. Maman, je m'invite que l'église manque. Maman, c'est un dans une église. Au lieu qu'à passer la bannière, tu vois, le pasteur il commence avec mes petits. Tellement madame, lève-toi tout de suite. Chauffeur. Tu vas, c'est comme si tu étais en train de partir de mettre ton enfant. Tu rentres jusqu'à l'hôtel, c'est comme si tu venais ton enfant. Quand tu passais le moment. Tu fermes la bouche. Quand là, mon si tu fais à papa, c'est ça. Tu n'as pas péché. Au Sungila. Tu l'as aidé. Voilà pourquoi j'étais à l'église. Les jours où vous venez de passer, c'est bien en train de dévier. Papa, comment l'esprit comme stérile. Mais examinons-nous un peu cette chose. Yo, quand l'esprit de la personne est stérile, comme stérile. Tu vois comment tu deviens? L'esprit est stérile. Mais quand quelqu'un tombe en extase, qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on est dans parce qu'il a perdu son esprit. C'est l'esprit qui est en train de partir. C'est ça, c'est qui ne reconnaît rien. Et quand tu pries en langue, les langues que tu parles, tu ne connais pas, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'esprit qui parle encore. Parce que ton esprit à toi est stérile. Et pas dans les églises. Et qu'est-ce là. C'est de l'intimidation. Un chat de papa qui
commences à bien chanter, chanter, chanter. À la fin, ça n'existe pas ça. Mais c'est une image. Ils ont dit les lignes. Et c'est un message. Fais les appels au bénissement, les bons bains. On te met un tableau, c'est bon. Il y a un cercle. Ah ouais. Boumoutoulou. À l'intérieur, c'est ta famille. Ah ouais, Kati, voilà. Ils ont dit les bons bains de Bakanga. Il y a cette famille. Donc, elle est quoi faire? Il y a un esprit de cercle. Ils ont dit, moi, il y a un cercle. Maintenant, quand tu sors de cette session qui est obligée à Kati, Boumoutoulou est ici. Au Kitia. Tu l'entends de l'autre esprit. Donc, on coûte à l'envoyer mon souffle. Qui s'appelle Belzeboul. Ah, comment il y a Belzeboul? Maintenant, quand cet esprit se mélange avec Abraham. Ah, bon, oui, on va se séparer le message de l'église. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a les soi-disant ministres qui sont professionnels en démonologie. Donc, celui qui est spécialiste en démonologie, c'est un démon. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Nous allons voir comment il va faire. À toi, mon Seigneur. Nous allons continuer à s'amuser aussi pour vous. Voilà pourquoi à chaque fois que nous allons à l'église, c'est pour apprendre. Il y a notre commission pour les académies, il y a quand même le mais le mardi, donc on a mis balai. Et le jeudi, le miné. Ah, là, c'est le fait. Ah voilà, mais ça monte bien. Là, c'est le couvre-feu. Voilà, couvre-feu. Là, c'est la main des menus qui est transmise maintenant pendant le voilà, ma pinga, peut-être les mille poètes ou pète à l'époque. Mais le dimanche, on a le bingo, tu dois apprendre les choses. Dieu, c'est bien dévoyé qu'on a quand même ensemble. Vous savez, tu ne peux pas prêcher la sécurité si tu ne fais pas ça. Oui, mais côté, au bout de ce matin, ceux qui ont mon commenté, au bout de ce matin. Dis-moi, tu vas tenter. Amen. Est-ce qu'on peut se lever là-haut? Vous pouvez commenter les services à tes amis. Nous allons prier. Comprenez là. Parce que nous traversons le temps des ténèbres. Vous avez connu qui ça? Les Kona. Oui. Nanambo Egypto. Oui. Nanambo Israël. Oui. Les Italiens sont les Anakas. Les Océaniens. Sans doute comme il est connu, il va prier. Que nous parlons là, au bénitoni. Ici, tu es sois un peu dans la tête. Les enseignants, en mon état. Cela, le calme de la pelle, attaque sa maquille. Un cheval de blanc, le calme de la pelle. Deuxièmement, le
chemin de roue. Et le chemin noir. Qui amène l'église des temps différents. Les temps de l'indifférence. Les temps de l'infidélité. Les tours de l'injustice. Avec une balance falsifiée. Nous allons prier le Seigneur. Dis à Dieu là où j'étais injuste. Là où j'étais infidèle. Là où j'étais injuste, Seigneur. Là où j'étais injuste, Seigneur. Là où j'étais infidèle. Même devant toi. Devant mes amis. Devant ma famille, devant mon époux, mon épouse, là où j'étais infidèle, même physiquement, même spirituellement, même financièrement, là où j'étais infidèle, Seigneur l'Éternel, et ton domaine, que je sors de cette infidélité. Bana poto bana partout bana monde entier balbi sita munene.